Et des îles. D'accord. Alors je vais regarder. Montre-moi, qu'est-ce qu'on a là? Alors attends. On a le bateau. Ouais. Allez. Alors comment t'as fait pour faire ça? La maison. Oui, montre-moi. Bah, au début, j'ai fait des bateaux en bois. Avec du sel, je les ai enroulés. Et après, j'ai fait la maison. Ah, montre, c'est chouette. Oui. Je vais en mettre ici un petit peu partout. D'accord. D'accord. Je peux regarder l'intérieur de ta valise du coup. Peter Pan. Tu as mis de la lumière? Oui, mais je sais pas parce que ça va se passer dans la nuit, mais je sais pas encore si je vais en mettre. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait quand c'est installé? Quand tu fais ton installation, ça rend comment? Ça fait plus que ça fait une île. Donc on est d'accord, c'est une valise, hein? Donc attends que je regarde. Retire ton bateau pour voir. Donc c'est une valise verte, ancienne. Quand on l'ouvre, hop. Alors montre-moi tes installations. Ça, c'est l'installation que tu vas faire le jour du vernissage. Ça, c'est quoi? Ça? Oui. C'est du tissu vert qui fait l'eau. Qui ça fait l'eau? Bonne idée. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu as mis? En dessous, j'ai mis les lumières. D'accord. Avec du papier argenté. D'accord. Comme ça, ça fait comme un reflet. Et voilà. D'accord. Ça, elle n'est pas encore faite. D'accord, elle doit. D'accord, tu l'as pas terminé. Là, il y en aura une autre. Là, il y aura. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont leur valise devant. Les poissons vont pouvoir aller jouer dans la valise mère, la valise plage. C'est ça l'idée. Ils ont pensé. Bon, monsieur, valise espace, Cédric. Hein? Tu me présentes ta valise? Ça, c'est quoi? Un vaisseau. C'est ta construction. Normalement. Je t'explique. Tu te présentes? Non. Bon, c'est pas grave. Mais est-ce que je peux venir voir ta valise? Le dépotoir, oui, mais la valise. c'est en construction, oui, hein. C'est vraiment en construction. Mais c'est ça qui est chouette. C'est, on part, voilà, on est au début, voilà, hein. On est en construction, hein. Donc il y a des objets. Qui ont été mis là aléatoirement. Là, en attendant. Là, je vois qu'il y a un reflet. Là, il y a des choses, des vieilles disquettes, hein. Des constructions. Bon, je te laisse continuer. Oui. Mais le vaisseau, c'est plus intéressant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Le mettre autant qu'il flotte. Ouais. Surtout si on prend le temps de faire un truc avec un module avec les planètes. Donc comme ça, on a nos postes de contrôle. C'est un peu comme si ça, c'était le poste de contrôle Terre qui appelle le vaisseau. Et là, on a l'espace et le vaisseau qui flotte au-dessus. Donc là, ça va être de trouver un système. Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc avec ce qu'on a... Est-ce que ça, vous aviez... J'ai fait ça. Tu sais où il est passé? Moi, j'ai fait. Non, c'était comme ça. Parce que ça vient là dedans. Donc ça peut... Et je sais qu'il y en a d'autres. Donc peut-être on peut s'arranger pour avoir ce sens-là. Ici, avec le vaisseau au-dessus. J'essaye de trouver un truc, quelque chose comme ça, et on essaye de réfléchir là-dessus. Et ensuite, réfléchis-toi à comment est-ce qu'on pourrait les mettre façon.
poisson aussi. Guyliane, tu me présentes ta valise? Je ne l'ai pas encore filmée, la valise. Alors, ferme-la pour voir, pour qu'on voit un peu. Donc, on a une valise, ok, qui est fermée. D'accord, vas-y, continue. Et bah, il y a du sable. D'accord. Comment t'as fait ça? C'est quoi? C'est de la mousse. La mousse? D'accord. Et t'as collé quoi? T'as collé des coquillages, des poissons? Et là, vous êtes en train de faire votre installation? Et vous allez animer? Ah oui, d'accord, chouette. C'est gentil. Ou alors, je le mets en dessous. Déjà, c'est bien de faire ça. Ce que t'as fait. Déjà, de dire qu'est-ce que ça. Bon, je vous laisse faire votre construction. D'accord. Là, il y a de la mousse. Et quand on aura rembourré, on a des petites chaussures. C'est très bien, Noir. Déjà, ça se tient. Et du coup, tu peux manipuler après. Tu vois, et après, tu deviens la marionnette. C'est ce qu'on s'était dit. Parce que du coup, on a une maison de poupée. Et si on a les deux petites poupées qui sont les chippies dans la maison de poupée. Et d'ailleurs, j'ai pensé à un truc. Parce que moi je me disais que c'était pas mal, on s'était dit qu'on allait faire pousser des fleurs, faire pousser et des fleurs à continuer pour le jardin. Et j'ai pensé aussi à une ambiance musicale. Alors tu vas me dire ce que t'en penses, parce que j'ai pensé à quelque chose qui pourrait être assez étrange. Shadow right. Mais si on les déclenche tous en même temps. Ça fait quelque chose de très mystérieux là. On n'est pas dans une les trois en même temps. Ça fait et puis le fait qu'elles soient un peu dissonantes, ouais. C'est chouette en hein. En même temps, ça fait un truc un peu. Ah ouais. Parce qu'en plus votre maison de poupée, c'est non seulement les petites poupées qui sont dans la maison de poupée, c'est un peu des chippies. Et en même temps, c'était un peu la maison d'Ansel et Gretel avec des choses à manger. Donc on a à la fois quelque chose de très doux et quelque chose d'un peu étrange. Alors le château là, il a bien avancé, hein. Il est accroché avec du scratch. Oui. Et là, il est. Il est magnifique, Noah. Vraiment. Oui. Ça fait. C'est super joli. Oui, c'est très très beau, vraiment très très beau. Très belle création. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait là? On a des dégradés de ciel. Oui. Parce que mon truc, c'est genre ciel, paradis, terre. Oui. Et lave. Là, je vais faire en terre, ça sent de la lave. Mais je voilà. Donc la dernière fois, c'est Thomas qui lui était en train de travailler les nuances avec le ciel. Toi, tu as retravaillé dessus avec un violet plus foncé. Là, c'est un monde. Donc là, on est toujours dans le château, dans le ciel. Et ça évolue tout ça. Oui. Là, c'est la lave. En fait, ça c'est tout. Tout ça, c'est en bas. C'est quoi? On va proposer une solution qui marche. Parce que là, il y a d'accord. Et les lumières, là? Ça, c'est le feu, les flammes. D'accord. C'est chouette. Tu vas en mettre plus? Il faut coller ça pour que ça tienne. Je t'aide. On peut faire aller avec la table. Non, on va faire le petit peu.
feuillet, c'est un pistolet à colle. Et le pistolet à colle, il faut que tu fasses attention. Et pour faire un pistolet à colle, il faut que tu protèges ton main. Est-ce qu'ils sont... Allez, viens. Tu me le donnes, on va commencer à faire. Oui, mais je n'ai pas fini. C'est pas grave. On les met de côté. Et tu sais, quand tu auras du bois un peu plus large, comme cela. Alors, là, celui-là, regarde. C'est beau. Qu'est-ce qu'on pense? Après, tu vois. C'est toi qui choisis. Voilà, tu mets. Tu peux le montrer. Si tu fais attention à tes doigts, ça brûle. Je vais faire des carte de vidéo. Allez, dis-le. Montre ta carte de vidéo. Tu vas avoir des surprises. Montre ta carte de vidéo, s'il te plaît. Voilà. Regarde, regarde. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mal. Bah, il a mis un peu, ouais. Voilà. Non, c'est pas grave. Laisse-le déborder. Je vais venir par tous les jours. Hein. J'essaie de voir comment on peut. Mais ça va faire tous les jours. Hein. Je crois que je pourrais avoir coupé. Et partout ici. Parce que tu peux répartir tes pierres. Il y en a d'autres encore. C'est un catastrophe. Essaye de répartir un peu partout. C'est un catastrophe. Mais j'ai pas eu. Donc là, on a Sarah. Sarah, tu travailles sur quoi? D'accord. Et là, tu fais une séance avec qui? Avec ta mère. Alors, attends. Bonjour. Bonjour. C'est la maman de Sarah. Oui. Et vous? Oui, on essaie de travailler sur... des États-Unis avec tous les souvenirs, les cartes, tout ce qu'on peut trouver qui a rapport avec New York, San Francisco, les voyages aux États-Unis. Ben oui, donc, d'accord. Et comment vous travaillez toutes les deux? Qu'est-ce que vous faites toutes les deux là? Parce que je vois Sarah, toi oui, qu'est-ce que tu fais toi Sarah? Là tu prends de la colle. Alors c'est quoi comme colle? Oui, d'accord. C'est pratique pour bien coller le papier sur. Oui, parce que ça rend humide le papier, ouais. Ça se froisse et après on arrive à bien placer, c'est ça, Sarah? Parce que j'aimerais bien savoir comment vous faites du coup toutes les deux pour superposer. C'est quoi vos idées? Voilà, là vous avez plein de choses qui viennent des États-Unis, des cartes. Oui, il y a des cartes, des tickets. Des tickets. D'accord. Ok. Donc vous avez plein de. Comme ça, voilà, pour en mettre un petit peu partout. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes à maman, Sarah, toi? Est-ce que je peux aller rajouter ici, Sarah? Pour finir le fond. À ton avis, je fais comme ça. Comment je peux faire? Je vais donner une petite idée pour m'aider. Tu peux donner une petite idée à maman? Essaie de regarder s'il y a quelque chose qui t'intéresse là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, Sarah, si je t'invitais ici? Ouais. Ouais. Et toi, tu tiens quoi, Sarah? C'est un plan? C'est une carte? Faut voir de l'autre côté. Regarde, tu sais pas quoi? En fait, si tu regardes de l'autre côté... T'as la tête, il me semble que j'ai vu la tête de la Statue de la Liberté. Tu peux voir, retourne. Ouais, regarde. Regarde, ça c'est chouette par contre. Peut-être, qu'est-ce que t'en penses? Tu la verrais quelque part? Regarde, là-dedans, quelque part peut-être.
Là, nous avons... Bonjour, je suis la mamie de Gabriel. La mamie de Gabriel, bonjour. Et à côté de la mamie de Gabriel, nous avons... Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Je vais vous laisser travailler. Je vais me mettre... Voilà, je vais me mettre là. Et puis je vous laisse, je vous dérange pas trop. Est-ce que... Oui. Est-ce que vous pouvez juste me dire le thème? Le voyage en Bulgarie. En Bulgarie. Découvrir un pays riche en histoire, en culture, belle nature aussi. D'accord. Il y a la mer, il y a un vallée de roses, il y a c'est le pays de yaourt. Yaourt. Mais la plus grande richesse, c'est le peuple bulgare. Le peuple bulgare. Oui, je pense que vous avez raison. Et là, du coup, voilà, on a des compositions. Bah, je fais. Oh, ça, c'est. De la Bulgarie pour. Pour mettre dans le carnet de voyage. Oui. D'accord. Est-ce que tu sais où tu vas le mettre? Oui, en haut. Tu me montres? Et là, tu as vu un peu la composition avec ta grand-mère? Du coup, qu'est-ce que tu penses de ça? Viens voir. Je crois qu'on va faire des... C'est pareil, juste le... C'est un sujet. C'est un sujet. D'accord, regarde ta grand-mère, elle te montre. Tu vois avec elle si t'es... Attends. C'est quelle sensation quand tu es là-bas? C'est quoi que tu ressens? C'est comme si l'heure était avancée. C'est comme si l'heure était avancée? Alors, oui. D'accord. Donc l'heure est avancée. Donc voilà, tu peux... T'as envie de l'écrire? Oui, ben oui, tu peux l'écrire si tu veux. Ça, c'est la voiture du Sénégal. C'est ah, du oui, Sénégal. Elle est belle, hein? Oui. Et donc, ça, ce sont des morceaux de bois. Oui, ce sont des morceaux de bois. Et ici, là, j'ai collé ici les petites feuilles. Les petits timbres? Oui, les petits timbres. D'accord. Donc, et tu ici, as le Sénégal. Le Sénégal. Ah, mais oui. Attends, j'ai pas vu. Attends. Ok. D'accord. Et... Ah! Et ça, c'est ça va être quoi, là? Tu vas faire quoi? Là, je vais écrire le Sénégal, qu'est-ce que j'ai bien aimé. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, tu vas écrire quelques mots, oui. C'est ça? D'accord. Et donc, du coup, ça va avec quoi? Ça va avec... Avec ça va avec ça. Alors, attends, tu peux me le mettre... Thomas, tu peux me le mettre debout, s'il te plaît? Expliquez-moi un peu comment vous avez bossé, là. Donc, il est debout, c'est ça? Ok. Et là, ça va... Du coup, ça, tu vas l'installer où? Tu vas l'installer où? Thomas, où est-ce qu'il va être installé, le petit, là? Le petit, il va être installé là. Ah, essayez pour voir. Faites-moi un essai pour voir. Vas-y, fais-moi un essai. Non. Le petit, montre-moi. Marie-Élise. Vas-y, mets-le au-dessus pour voir. Installe-le. Ça sera l'installation, Marie-Élise. Ouais. Ok. D'accord. T'appuies pas trop. Oui, parce que si tu t'appuies trop, ça va. C'est du carton. Bon, bah, c'est chouette, ça. Vous êtes content? Oui, et je suis fière de moi. Waouh. Et toi, Thomas? C'est pas mal.
C'est pas mal. Et Thomas, tu as fait un truc là, très intéressant, je trouve. Oui, je trouve. C'est ton croquis. Ouais. Et... ça va. Oui. C'est un éléphant, mais il est pas fini. Il est pas fini. Il est trop beau. Oui, moi aussi, je trouve. Je te laisse. Fier de toi, Thomas. Thank you.